Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bienvenue au Cégep de Drummondville. Mon nom est Carl Maurice, je suis étudiant à tremplin deck, présentement pour faire la technique d'intervention en criminologie. Je suis Camille Lepage, étudiante en technique d'intervention en délinquance. Je suis Dominique Robidoux, en tremplin deck pour les sciences humaines, et ce soir, nous serons vos animateurs. Donc, Cégep en spectacle, c'est 63 collèges qui ont comme mission de promouvoir les arts de la scène, promouvoir l'usage de la langue française et des langues autochtones, et d'offrir la possibilité aux étudiantes de collégiales de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Cégep en spectacle se déroule en trois étapes. La finale locale, comme aujourd'hui, où chaque Cégep invite sa population étudiante à s'inscrire au concours en présentant un numéro dans l'une ou l'autre des 7 catégories admissibles. La finale régionale se déroulera cette année à Shawinigan le 25 mars prochain et la finale nationale à la fin avril. Cégep en spectacle, ce sont aussi des commanditaires qui permettent des événements d'avoir lieu. En plus des présentateurs régionaux et nationaux, trois partenaires locaux ont accepté d'encourager nos jeunes de la relève. Nous tenons à remercier nos partenaires, dont l'Association générale étudiante du Cégep de Drummondville, qui offrira le prix coup de cœur de la soirée, un prix de 300 $. La Société Saint-Jean-Baptiste, qui offrira le deuxième prix, un prix de 350 $. La Maison des arts Desjardins qui offrira le premier prix ce soir, une captation vidéo du groupe gagnant d'une valeur de 2500 $. Un grand merci à tous nos partenaires. Donc, avant de débuter le spectacle, il y a quelqu'un du Cégep qui devait vous parler dans le fond. Il s'agit de M. Pierre Vigeant, directeur des communications, affaires étudiantes et développement international. On l'accueille chaleureusement, on lui donne un bon applaudissement. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, Pierre Vigeant, directeur des affaires étudiantes et des communications au Cégep ici. J'ai juste un message. Merci beaucoup à nos partenaires. On a besoin de vous pour leur donner une belle vibe à nos artistes qui sont sur la scène, mais aussi derrière la scène. Alors, je vous remercie infiniment d'être là. On va se passer une bonne soirée et en espérant qu'on puisse se retrouver et qu'on ait eu du plaisir, puis que je compte sur vous pour donner toute l'énergie qu'il faut à nos participants. Merci, bonne soirée. Dans la discipline chant et musique, catégorie création, voici le groupe Everest avec leur chanson « Ma réalité » et « L'histoire du malheureux poète ». Thank you.
devant le soleil dans mes bras. Flotte avec moi pour l'éternité. Je te promets de jamais te lâcher. Je t'aime plus que ma tune préférée. La seule mélodie que je veux chanter. Rien ne nous empêche de s'aimer. Rien ne pourra m'arrêter de t'appeler ma réalité. Bonsoir, Drummond. Depuis ces jours-ci, je suis perdu dans mes pensées. En fait, c'est parce que je suis amoureux de toi. Mais j'ose pas dire que je t'aime encore, mais plus fort. Parce que tu vas t'éloigner, puis je vais avoir plein de remords. Même si t'es mon étoile, mon ange, celle qui me donne la joie. Moi, je suis juste un gars par rapport qui sert à rien pour toi. Fait que je continue d'avoir des rêves qui sont terriblement débiles. Puis faut que je m'éloigne de toi avant d'être trop fébrile. Là, j'ai peur. Vraiment trop peur. Ah oui, j'ai peur. Vraiment trop peur. Puis je ne sais plus trop comment te dire que ton sourire et tes yeux bruns vont me font rougir. Ouais, dans le fond, tu le sais que je suis juste un gars ben trop sensible. Dans le fond, je suis juste un gars bien trop fragile. Je sais pas comment te redire je t'aime. Parce qu'à chaque fois, je te traite de plein de noms. Parce que je te trouve trop belle. Je suis comme un Roméo qui est plus capable d'atteindre sa Juliette. Voici l'histoire du malheureux poète. Ce soir.
Saviez-vous que le cégep de Drummondville amorce des travaux pour l'ouverture d'une nouvelle aile dans le cégep en automne 2023? Projet d'agrandissement au cégep? Ben ouais, il y en a un. Regardez-moi ces belles images-là. Par contre, la seule place qu'ils ont trouvée pour faire ça, c'est dans un stationnement. Déjà qu'on avait de la misère à trouver un parking. Là, je sais pas ce que les étudiants vont faire encore plus. Ah, bon, on va arriver ici. Pas droit du U-turn, pas droit à la droite. Bon. On va passer à gauche. Oh, OK. Oh. Le foreman est là. On va swatcher. OK. Un stop. Bon. Il y a la place dans le coin, là. La piste cyclable. Bon, OK. Pas grave, là-bas, il y a de la place. Eh non. Of course, c'est une borne pour les chars électriques. On peut pas se parquer là. Hein? Il y en a partout, c'est un. Moi, j'aimerais ça savoir c'est qui, le nain-nigneur qui a pensé à ça, moi. On va couper d'un parking, mais on va faire plus de place pour les étudiants. Ça fait du sens, ça, hein? Bon, où est-ce que je me parque, là? Des pancartes, ça veut rien dire à part de ça, là. Quand on n'est rien censé comprendre de ça, là. C'est pas vous qui décidez où que j'ai mis, pardon? C'est où qu'on peut se parker? Il n'y a pas de parking. Trouve-en en arrière. Fait que ben ça, t'es con, moi. Tu vois, même parker à l'aréna à place, maudite merde. Qu'est-ce que tu fais? Toi, là, ça, tes capes d'acier, ton casque. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, tu reviens ici, loin. Hey, non, tu reviens. Dans la discipline chant et musique, catégorie création, voici le groupe Irma avec leur chanson « Le bureau du médecin ». Thank you.
forêt, les déserts, les fêtes, les rêves. Saviez-vous que le cégep de Drummondville possède deux résidences pour l'hébergement des élèves venant d'ailleurs? Mais Caillou, non! Ils sont dans le char! Oh. Come on! Hey, elle, je t'ai dit qu'elle sait pas ce qu'elle manque, hein? C'est vrai qu'il y a un avantage certain à vivre dans une résidence. Comme celui de pas s'habiller. T'aurais pu penser à te peigner un peu. Non, arrête. Regarde, c'est le style Xavier Dolan. Tout le monde sait ça. De toute façon, au travail de la soeur François Bellefeuille, avec tes cheveux comme ça, il te manque rien que la barbe. Ouais, c'est sûr qu'il y a d'autres avantages, comme se lever juste 10 minutes avant son cours. Bon. Sauf que tu peux pas utiliser l'excuse d'être pogné dans le trafic quand tu rentres en retard. Ouais. En même temps, il y a aussi l'avantage que si tu as un bon break entre deux cours, tu peux retourner au res, tu pars un nap. Ça va bien, ça. T'as mieux de la journée. Effectivement. Puis avec la nouvelle résidence, pas de parking. En vivant d'être dans le campus, au moins tu cherches pas de parking. Ou pogné les transports en commun. Ouais, puis en plus de ça, tu peux aller au gym, hein? Le gym est juste à côté, c'est juste à deux pas, il n'y a pas d'excuse. C'est qui t'essaie d'impressionner au gym? Je veux pas impressionner personne, regarde, faut prendre soin de ce corps de rêve. Ich, on sait pas trop ce que t'en passes par là, hein? Mais il y a l'Internet gratuite, d'un change, pas celui du cégep, on sauve de l'argent. Ouais, sauf que en même temps, t'as pas beaucoup d'intimité, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'intimité. C'est avec qui que tu voudrais de l'intimité? Ben là... Hey, regarde, prends-les pas comme ça, c'est parce que, tu sais, moi, je suis comme la plupart des gars, le soir, quand j'arrive le soir avant de me coucher, je suis pas capable de dormir, je me demande, qu'est-ce que je peux bien faire? Ben, j'écoute les filles de Caleb, puis je broille comme un bébé. C'est pour ça, je veux pas qu'il y ait personne qui m'entende broyer ces filles de Caleb, je l'aime, Émilie, moi. C'est vrai qu'il est beau, Avila. Ah, en tout cas... De toute façon, en plus de ça, là, si tu restes aux résidences, t'es tout le temps pogné à attendre les groupes qui pratiquent le soir, puis tu peux pas toujours dire qu'ils sont bien, bien bons, mettons. Contrairement aux prochains participants, mais hey, hey, on va être en retard! Vite! On va être en retard! Let's go, faut y aller! Dans la discipline chant et musique, catégorie création, voici Yorick et Megan avec leur chanson « Je te donnerai des ailes ». Il me semble que tes yeux brillent moins.
Depuis quelques jours, je sens que ta vie prend des détours. Ça s'arrangera peut-être un jour. Même si les fleurs te font rougir, même si le soleil te donne le sourire, la forêt dense est difficile à parcourir. D'immenses nuages couvrent le ciel, le tonnerre bat de plus belle, la flamme dans tes yeux crée une étincelle. Je te donnerai des ailes. Le cégep de Drummondville accueillera dès l'automne 2023 une équipe de hockey masculine. Yeah, yeah, yeah! Y'a ça les boys! Yeah! L'équipe de hockey, ça! Let's go, let's go! Alright! On peut commencer ça, ce recrutement 2023. As-tu du monde qui joue au hockey dans la salle? Ouais. OK. Tiens, toi, quelle position tu joues? Défense. Parfait. Elle n'est-tu un centre, à quelque part? Hein? Goaler, centre. Parfait. Ah, goaler. Parfait. Donne-nous ça. Ça, c'est beau. Bon, OK. OK, j'ai deux, trois gars. Parfait. Bon, j'ai déjà... Déjà, quelqu'un qui a signé, on va regarder ça. Qui qu'on a signé? Camille Lepage. C'est pas Camille, c'est Camille. Camille. Hey, excusez-moi, madame. C'est une équipe masculine. M-A-S-S-E-K-U-L-I-N-E. Masculine.
Hein? Mais ça paraît que t'es pas prof de français, dis donc. Hey, prof de français. Prof de français ou non, là, c'est marqué dans le règlement. Pas de filles dans les ligues masculines. Ah, regarde, je lis. Je lis ici. Attends une minute. Hein? Article 43, alinéa 8, ligne 6-B. C'est parce que je joue avec les gars, pas avec les filles. Avec les filles, on peut même pas les plaquer. Bon, petite Camille. Avec les gars, là, c'est la même affaire. Regarde, je lis le règlement ici. Je lis le règlement. Article 75, alinéa 23, ligne 14-H. Ah ouais, tu peux pas jouer avec nous autres. Next! Hey, coach, moi je veux m'inscrire, je veux jouer avec vous autres. Yes sir, mon homme, quelle position tu joues? Je suis à la défense. Est-ce que je te montre comment je plaque? Attends une minute, là. Regarde, et tantôt l'autre, là. J'ai dit qu'on peut pas plaquer, mais c'est pas vrai. Tu peux plaquer autant que tu veux avec les gars, il y en a pas de problème. Ça veut dire que je peux te montrer comment je fais? Pas tout de suite, le jeune, hein? En pratique! Mais... Approche! Hey, approche! Pas Mission accomplie! Dans la discipline chant et musique, catégorie interprétation. Voici Audrey Anne Paré avec la chanson Tenir debout. Bien le bonsoir. Je vais juste prendre le fil pour plugger ma guitare. On se met à l'aise un peu. OK, on va l'avoir. Fait que c'est ça, je m'appelle Audrey-Anne Paré. Je pense que je suis la seule qui est toute seule ce soir. Fait que je vais vous donner un petit break, relax, un petit peu, une petite pause des bennes. Donc ce soir, moi, je vais interpréter une chanson qui est très importante pour moi. Elle m'a beaucoup aidée durant la dernière année. Donc dans le fond, c'est une chanson de Fred Perrin, c'est « Tenir debout ». Puis, ce que j'aime beaucoup de cette chanson-là, désolée, c'est qu'on peut l'interpréter de la manière qu'on veut selon ce qu'on vit sur le moment. Fait que moi, cette chanson-là, elle a été importante pour moi parce que dans la dernière année, j'ai perdu un ami dans un accident de voiture. Et donc, c'est ça. Je me suis dit qu'à la gang qu'on était ici à soir, il devait bien en avoir deux, trois là-dedans qui avaient des moments moins faciles dans leur vie. Fait que je me suis dit que ce serait un petit cadeau, un petit baume sur le cœur. Fait que c'est ça, c'est cadeau. Je tendrai l'autre jour.
vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. L'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui me demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et j'attendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Saviez-vous que le Cégep possède un groupe LGBTQ+, pour soutenir les étudiants faisant partie des différentes communautés? It's Britney, bitch. Allô, allô tout le monde, allô! Comment ça va? Ooh. Britney, bitch. Comment ça va, vous autres, à soir? Ça va bien? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait un projet d'agrandissement par hasard? Je pense qu'on en a parlé, hein? Ben, ça veut pas la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Ben, dans toute la nouvelle aile qu'ils vont faire, toutes les toilettes, ça va être des toilettes non genrées. Wow, ça, c'est cool. Ben, oui, c'est cool parce que, ben, qu'est-ce que, oui. Oui, moi, je trouve ça cool, puis de toute façon, t'es en train de me voler la vedette, là, hein? Fait que, regarde. Hey, j'ai le droit? Moi aussi, je veux m'exprimer comme je suis? Ouais, ben, moi, si je m'exprime comme je puis au maximum, je pense pas que toutes les autres vont aimer ça. Ben, c'est clair que je pensais que c'était déjà le cas. Ah, ben, t'as rien vu encore. De toute façon, s'ils ouvrent des nouvelles toilettes non genrées, j'aurais plus peur de faire rendre les autres mal à l'aise, par exemple, ou j'aurais plus peur pour ma propre sécurité à moi, parce que y en a qui me respectent pas trop quand je porte une robe de même. C'est vrai que le Cégep a une politique de tolérance zéro par rapport à l'intimidation, mais une aile complète, non genrée, c'est une excellente nouvelle. Bon, là, c'est assez pour vraiment mon trésor. Tu me voles vraiment le show, OK? It's pretty, bye bye. Bitch. Bon, moi, faut que j'aurai ma maquille avec tout ça, mais soyez pas trop sage, mes petits choux. Bye! Bonne soirée! It's pretty, bitch. Dans la discipline musique, catégorie interprétation, voici le groupe Sophie Gagnon Big Band avec leur pièce « Les lèvres métriques ».
extraterrestre, autre être vivant qui s'est parmi nous ce soir, j'ai une question importante à vous poser. Est-ce que vous amusez? Oui! À vous qui sont bons, nos artistes du Cégep de Drummondville. Vous savez que pour faire un show comme ça, beaucoup de gens travaillent dans l'arrière-scène. J'aimerais vous présenter les étudiants en sonorisation qui ont travaillé très fort sur cet événement. Bon, c'est clair, ils n'ont pas le temps de venir en avant parce qu'ils ont du jus en ce moment. Donc, si vous applaudissez vraiment très fort, ils vont vous entendre. Le directeur technique, Loïc Lebel-Turcotte. À la console, Christopher Noga. Au moniteur, Audrey-Anne Paré. Les techniciens de scène, Frédéric Côté, Dominique Boulanger, Julie-Pierre Ouellette, Danick Lavoie, Simon Bélanger, William Sénégal. Sous la supervision de Nicolas Lamour-Moreau à la direction artistique et Claude Hull à l'éclairage. Donc, j'ai une autre question pour vous. J'aimerais vraiment savoir d'où est-ce que vous venez. Val-d'Or! J'aimerais ça dire de quoi d'intéressant là-dessus, mais j'ai vraiment aucune idée de où est-ce que c'est. Sinon, qui vient de Drummondville ici? Il y en a quelques-uns, Mais c'est les vrais inventeurs de la poutine. Ouais, non, c'est Warwick. Ah, de purs imposteurs! Hey, par applaudissement, qui est d'accord avec moi, la poutine vient de Drummond? Qui est d'accord avec moi, par applaudissement, que c'est Warwick? Tu vois, j'avais raison. C'est juste qu'ils font plus de bruit. Ouais. Mais là, avec ça, là, vraiment, là, tu m'as donné faim. Parce qu'il y a des moments où t'as pas faim? Non, c'est pas vrai. Mais je pense que je vais aller... C'est plate qu'il y ait vraiment pas de fromagerie le maire ici. Bah, c'est pas ce qui me manque le plus, là. Ouais, il en manque un. Mais c'est pas grave, vous m'allez commander au Victoria. Ah, t'as bien pas de goût! La meilleure poutine, c'est au roi Joseph? Non. Sincèrement, là, lui, il a rien d'un roi. Ah ouais, tu proposes quoi de bord? Ashton? Non, vraiment, je reste à la fromagerie Le Maire ou Victoria. Sincèrement, meilleure patate. Ouais, ben là, c'est sûr que si tu parles juste des patates, c'est une chose. Si tu parles de la composition de la poutine, ça... Vous, là, c'est laquelle votre fromagerie préférée pour les poutines? Ils sont pas trop salés, vos frites au McDo? Alors, c'est bon. Ouais, parfait. Écoute, moi, je mange plus vraiment de poutine. On s'entend que j'ai plus vraiment de place pour ça. Tu manques de quoi? Fait que tu commandes où déjà? Au Victoria. What, Joseph? Victoria! Dans la discipline chant et musique, catégorie création, voici le groupe EXA avec leur chanson Fantastique et L'Amérique a perdu le Nord. Pour se mentir. Et demain,
pratique. Oh yeah. Dans la route, il tend les frais. Voir dans le tout, c'est une femme sans regret. Sur le tour
Amérique perdue le nord. Le cégep de Drummondville possède une troupe de théâtre nommée Origami. Voici l'une des plus mauvaises auditions d'un Roméo et Juliette en trash moderne reçue cette année. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Juliette! Je suis là! Oh, ma Ginette! Où es-tu, ma Ginette? Robert, je suis là! Ginette! Oh, ma Ginette! Ma Ginette! Yo, Robert, mon Robert! Pourquoi t'appelles-tu Robert? Rejette ton père! Et... Rejette ton père. Et change de nom. Et... Jure de me faire vivre! Je vais... Je vais te suivre jusqu'au Texas, si tu me fais vivre comme une reine. Oh, Ginette, oh, vaginette, ma Ginette. Appelle-moi baby. C'est quoi la réplique encore? Tu vas t'appeler Gérard. Et je changerai mon nom pour Gérard, ou même Justin. Je t'en prie, je te promets de te faire vivre. Je te promets même qu'on va aller à Vegas et je vais te payer la traite. C'est soirée là. Comme tu sais pourquoi on finisse ensemble. Être ou ne pas être, telle est la question. La noblesse de l'homme. Allô? On se demandera pas pourquoi l'équipe de théâtre Origami du cégep ne les a pas acceptés. Hein? On cherchera pas de midi à 14h non plus. Fait que c'est ça. J'espère que les prochains participants vont vous faire plaisir. J'en étais où déjà? Y a-t-il pour l'homme plus de noblesse à endurer les coups? Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si.
dans la discipline chant et musique, catégorie création. Dans la discipline chant et musique, catégorie création, voici Anthony Ranger avec les chansons Prélude et Tu voulais partir. La prochaine chanson, ça m'est venu l'inspiration quand même assez rapidement, durant 10 minutes avant un cours au cégep. Donc j'espère que vous allez apprécier. Thank you.
présenter mes musiciens. À ma gauche, juste ici, à la basse, Nicolas! Au drum, Henri! Au piano, Angélique! Bonne main d'applaudissement au bac vocal pour Amélie, s'il vous plaît! Ça va être plus facile que ça l'était. Moi, je m'appelle Anthony Ranger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, merci beaucoup! Ça fut. C'était une très belle expérience à Cégep en spectacle. Merci et bonne soirée! Saviez-vous que le Cégep de Drummondville possède une troupe d'improvisation nommée les Cagoules? Y'all ready for this? Yeah! Woo! Yeah, yeah! Cagoules! On est cagoules, hein? On va porter les cagoules, ça dit quoi? Les cagoules, les cagoules! Ah, les pigeons, les pigeons, les pigeons, les pigeons, les pigeons! Chers spectateurs, je vous souhaite bienvenue à cette finale où on élimine les meilleurs joueurs. Yeah! Let's go! Dans cette finale, opposant le dernier membre des Cagoules du Cégep de Drummondville et le dernier membre de l'équipe des pigeons asthmatiques de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson! Yeah! Saint-Laurentide! Est! Ouais, OK. Bon, la cagoule, êtes-vous prête? Ouais! Puis vous, le pigeon, êtes-vous prêt? Yeah! Est-ce que tu vas survivre? Oh, c'est cool, c'est beau. C'est plus genre, c'est tellement... C'est beau. Dans c'est cette beau. Première improvisation, comparez le thème spectacle sur scène, durée de 5 secondes chacun. À vous, la cagoule! Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Petit pigeon, allez, à ton tour. Montrer comment que ça marche. Ce soir, l'amour est dans tes yeux, mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Cher public, on a besoin de vous. C'est à vous de voter. Le point pour cette demoiselle, la main ouverte pour ce jeune homme. Y'all ready for this? Pigeon, 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 pigeon. Calme-toi, le pigeon, tu vas encore t'étouffer. Dans cette deuxième manche, ce sera une improvisation mixte. Le thème, l'alarme incendie. La durée, mystère. À vous de jouer! Incendie. Pim-pom, 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 pim-pom. Rejoignez les sorties de secours. Rejoignez les sorties de secours. Disqualification générale! Dans la discipline musique et danse, catégorie interprétation, voici le groupe Amalgame avec leur pièce « Je m'envole ».
Saviez-vous que le Cégep de Drummondville possède une équipe de jeux vidéo de compétition? Let's go, let's go, let's go! Oh là, arrête! Let's go, on fait une petite game, là. Juste une petite game. Come on, ça va pas vous tuer, juste une petite game, là. Mais j'aime pas ça, je suis pas, là. OK, let's go. Let's go. En quoi? Let's go. Go. Hey, hey, arrête de me tuer. Tu vas perdre. Tu vas perdre une vie encore. Derrière toi. Non, regarde. Va te tirer dessus. Tu vas mourir. Regarde dans le scope, là. Tu veux que je te tue? Tu vois, je l'ai. Va te tuer pour des coups. Pèse, suppose. Ça marche pas. Non, pèse. Bon, ça marche pas, là. De toute façon, le monde, tu vois bien qu'ils nous créent pas, là. Ils savent qu'on n'est pas en train de jouer à Call of Duty. Comme si on jouerait à un jeu violent de même à l'école. Ben ouais, oui. Ouais, non, c'est pas à ça qu'on joue ici. Ben, tu sais, je veux dire. Habituellement, dans l'équipe des games, ils joueraient à des jeux comme ça, mais nous autres, on aime mieux jouer, ben, hein, notre bon vieux classique, là. Bon. Je suis pas dans le coin depuis tantôt. Ça marche pas. J'avais dit qu'il était en haut, il va te tirer dessus, là. Pèse sur pause, là, encore, là. Bon, regarde, tu sais bien que ça marche pas de toute façon. De toute façon, là, on est. Regarde, tu vois, le monde, ils avalent même pas que c'est nous autres qui sommes en train de jouer. Ils savent qu'on n'est pas bon de même, là. Ah, ouais. Contrairement à l'équipe du cégep, eux autres pourraient vous en mettre vraiment plein la vie. Mais, hein. Ben, ouais, lentement, le cégep devient lentement, très lentement, technologique. Ils ont même ouvert un compte TikTok. Est-ce que vous avez vu ça? Ouais, puis inquiétez-vous pas, pour ceux qui savent pas c'est quoi TikTok, vous allez avoir de la vidéo, on va vous l'expliquer. Moi, j'ai pas de compte TikTok, est-ce que je suis la seule dans la salle? Là? Bon. Merci, vous me rassurez. Là. C'est la dernière fois que je game avec vous deux, moi. T'as dit, ça finit tout le temps. Ça finit tout le temps de la même manière. T'es tout le temps en train de le tuer. T'as tout le temps mouru. De votre réaction. Ce soir. Rebonjour à tous. Le 9 octobre 2022, Sorel Tracy a perdu 3 gars extraordinaires dans un accident impliquant 4 adolescents. Pour ces 3 gars-là, c'était des bons gars. Pour certaines personnes, c'était des bons amis. Pour moi, c'était surtout des très bons collègues. Et quand c'est arrivé, ça m'a fait réfléchir à ma vie et aux gens que j'aime. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là, en pensant à mon meilleur ami qui est juste là. Allumez pas les lumières, il va être gêné. Puis j'ai le bonheur que mes amis m'aient accepté, ces merveilleux musiciens. Je vais avoir besoin de bruit un petit peu pour eux. Nicolas Alvouero à la basse. Et à Alexis Jolin au drum. Il y en a un qui est un petit peu plus aimé. Mesdames et messieurs, quoi que ce soit. Je crois que ce soir
Cette nuit-là, j'ai compris. Cette nuit-là, je suis sorti. Cette nuit-là, mon esprit m'a fait rêver du pire des ennuis. Cette nuit-là, c'est arrêté. Pour des gens qui ont demandé. Des gens bien, des gens aimés. Des gens qui m'ont fait réaliser. Faut que tu restes ici. Qu'il faut pas que tu prennes de raccourci. Je crois que ce soit toi. Je crois que ce soit moi. Je veux pas ma vie sans douter. Je peux t'écrire d'autres chansons, c'est le. Je crois que ce soit toi. Je veux juste vivre en faisant ex-comme d'un homme. Je veux juste suivre ta rue, tu suis l'horizon. Non, je veux pas que t'ailles, quoi que ce soit. La vie est une fleur. Qu'un flacon peut faire partir. Mais oui, la pluie est une fleur. Ces jours de pluie font grandir. T'en fais pas, même si tu pleures. Pour le meilleur, faut voir le pire. Je veux pas que ce soit toi. Je veux pas que ce soit moi. Je veux pas que ma vie s'alourdisse. Je veux pas t'écrire d'autres chansons de celle-là. Je veux pas que ce soit toi. Je veux pas que tu parles pour ça moi. Je veux suivre ta route, tu suis avec toi. Non, je veux pas t'aider, quoi que ce soit. Merci beaucoup. Saviez-vous que le Cégep de Drummondville offre une friperie une fois par mois pour les étudiants? Masqué, oui, oui. Ça va? Non, ça va pas, Colin. J'ai juste de recevoir un message des prêts et bourses. Mes parents font trop d'argent. J'ai plus d'argent pour m'acheter du linge, check ça. Tantôt, je peux même trouver ça drôle d'être en pyjama. C'est un chemin pour être tout le temps de même. Je suis capable. Une chance que la friperie est là parce que, moi, je te dis, j'ai pas d'argent. J'ai presque rien. J'espère que ça coûte pas trop cher. Mais non, t'es bien chanceux ici. On vend le linge de 1 à 5 $. 1 à 5 piastres, hein? Peut-être ben trouver quelque chose qui me va là-dedans. Qu'est-ce que... Ouais? Attendez, si, si, attendez, là. Ça, ouais. Ouais, ouais, ça. Ça? C'est pas bien, ça? Hein? Est-ce que ouais? T'as besoin d'un pantalon aussi? Bon, oui, ça me prend de quoi? Donne-moi qu'un moulant, tu sais, là. Ça, c'est bien moulant, comme vous aimez. Ouais, hein? Comme ça, on peut voir mes quads. On peut voir que je m'entraîne un peu. Hein? Fait que si je vais comme ça, la différence de couleur est trop... C'est parfait. Ouais, c'est bon, ça? Parfait. Mais là, ouais, c'est ça, hein? Le rouge, c'est le même rouge. C'est pas pire, ça, j'avais même pas pensé. Hein? OK. Ben ouais. C'est beau. Parfait. Ben écoute, regarde. Il faut juste que. Je vais passer au pawn shop. Ben, je vais aller mener mon. Parce que je t'ai amené mon portable tantôt, je me suis rendu compte que j'ai encore la charge dans mon sac. Fait que je vais peut-être avoir une petite vingtaine de piastres pour ça. Je reviens, ça sera pas long, je vais te repayer. Parfait. Premier, je vais te repayer. Oui, oui.
C'est ça. Hey, je suis vraiment désolée de te déranger, mais je pense que tu as des souliers. Ça se peut-tu? J'en ai aucune idée. J'ai ça dans mes pieds. Ouais, mais... Mais je ne les vendrais pas entre 1 à 5 $ par exemple. Ouais, ça, je m'en doute un peu. Mais je me demandais, quand tu vas la fermer, tu penses-tu que je pourrais jeter un œil à ça? Ouais, aller voir ça, là. Maintenant, ou... Faut... Ouais, ouais, là, ouais, là. Bon, regarde, tu traînes ça, tu peux ramène traîner ça? Le gros panneau, là, là, ça va être parfait, merci. Ouais, attends. On va y arriver. Ouais, oui, oui, c'est ça, là. Last call. Last call pour la frippe mobile. Last call. Personne, OK, bye, là. Dans la discipline chant et musique, catégorie création, voici le duo Mégane et Alicia avec leur chanson Mal de tête.
Écoute, il restait-tu une autre animation avant l'entraide? Ah, oh, ben excusez tout le monde. Wow. On s'y est mépris. Avant de quitter pour l'entraide, c'est vraiment indispensable pour nous de vous présenter nos juges de ce soir sans qui ce spectacle n'aurait pas lieu ce soir. Donc, s'ils pouvaient se lever, Monsieur Jonathan Hugues Potvin, directeur général du Musée national de la photographie des Jardins. Wouhou! Madame Marie-Michelle Rabhi, pianiste, coach vocal et directrice de l'administration artistique et des communications de l'Orchestre symphonique de Drummondville. Monsieur Sébastien Leblanc, directeur des partenariats d'affaires et services clients de la Maison des Arts des Jardins. Monsieur Simon Courchaine, membre de deux troupes d'improvisation, membre du groupe de musique Monsieur Gingembre, ainsi que le technicien en travaux pratiques en arts visuels au cégep de Drummondville. Oui. Deuxième round. Et finalement, Monsieur Claude Larivière, entraîneur en improvisation théâtrale, metteur en scène et comédien à la retraite. C'est maintenant le moment du cégep en spectacle où on accueille tous nos participants et les juges pour savoir qui a gagné les prix. Donc, nos participants! Nous allons maintenant remettre le prix coup de cœur, un prix de 300 $ offert par l'Association générale étudiante du Cégep de Drummondville. J'aimerais inviter sur la scène à remettre le prix M. Nicolas Bernard. Oui! Allô, allô? Donc, le prix coup de cœur pour cette soirée est remis à EXA! Her speech, non? Parfait. Donc, maintenant, pour remettre le deuxième prix de 350 $, dans le fond, par la Société Saint-Jean-Baptiste, j'aimerais inviter Mme Lynne Bélanger, membre du Conseil d'administration régional et présidente de la section locale de Drummond-Saint-Germain. Bonsoir. Alors, ça me fait plaisir, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste, de remettre le prix à Alec EXA. Oh! Félicitations. Our speech. Okay. Félicitations. Une fois c'est correct, deux fois... Ouais, bof, fais-le pas une troisième fois. Ça fait deux fois qu'ils ont gagné. Ouais, la troisième, ça sera pas la bonne. Non, genre. Et finalement, pour remettre le premier prix, une captation vidéo professionnelle du groupe gagnant, valeur de 2 500 $, j'aimerais inviter M. Sébastien Leblanc, directeur partenariat d'affaires et service client de la Maison des Arts des Jardins. Bonsoir. Premièrement, je vais m'adresser aux artistes. Bravo. Les prix, ça veut rien dire présentement, même si ça va être le fun pour certaines d'entre vous, certaines, mais vraiment, bravo à tout le monde. C'est pas facile, il y a du stress, il y a du travail. Je le sais, j'ai déjà été sur cette scène-là, donc j'ai déjà été à votre place. Bravo, je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. Bravo. Ça fait déjà quelques années que la Maison des Arts est impliquée dans Cégep en spectacle.
Pendant la pandémie, on a décidé qu'on relevait un autre défi, soit de se créer une équipe au niveau des captations vidéo. Et on a investi vraiment beaucoup sur des caméras et tout. Et il y a un groupe qui va vraiment avoir beaucoup de plaisir à monter, on dit, une maquette, un démo visuel. Donc, si on a envie de soit garder un beau souvenir pour nous-mêmes ou de l'envoyer pour participer à un spectacle quelconque, donc le premier prix est offert directement à, et on a hâte de connaître cette personne-là, Sophie Gagnon, Big Band. Ouais. Bravo, bravo. Vraiment, good job. Bravo. Bravo. Sophie, Sophie, bravo, Sophie, bravo. Sophie, 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 Sophie. Je crois, malgré tout, qu'on a oublié de remercier quelqu'un de quand même très important, et par quelqu'un, je veux dire par quelqu'un, plein de personnes, c'est vous, cher public. Votre présence est un vrai encouragement pour tous les participants d'ici ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à l'année prochaine! Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.